votre main elle est liée à une autre personne. Une fois ça s'en va, après on peut les tendus. Bien collé, ça se dit tout ça. Après, c'est ce qu'on appelle la cure. Il y a des équilogas qui suivent tout ça, n'est-ce pas? À partir de là, vous allez bien construire. Sinon, ça ne marche pas. Il y a une allée, on fait plus souvent que la Kyotoshi, donc déjà, c'est plus facile à construire. Sans arracher, sans tirer, sans défaire.
but comprendre comment elle est commandée. Dès qu'il force, le corps se déforme. Ok, on essaye. Ouais, s'il vous plaît. Il n'y a pas de Irim Nagé ou Ra ou Moté. Irim Nagé, c'est Irim. C'est comme côté gâchis. Il n'y a pas de remonter ni de monter. Côté gâchis aussi, c'est côté gâchis. C'est la même chose. Tout le temps, Irim Nagé, c'est traversé de tout derrière. Même si certains disent ah, ça c'est Ra Moté, mais si vous êtes devant, vous ne pouvez pas retourner. Donc, quelque part, quand même, ce sens, vous pouvez vous retrouver derrière. Alors, ça, c'est. Donc, le bien franchement, c'est à partir de là, comment on fait pour aller derrière? Bien sûr, si je vais aller là-bas, c'est difficile, c'est loin. Donc, le temps d'aller là-bas, lui, il a tout le temps. Donc, à partir de là, c'est OK qui doit bouger. Dans son mouvement, dans son équilibre, c'est toujours Aikido, c'est par rapport aux équilibres, il faut créer des équilibres. Mais c'est dans les équilibres qu'il doit bouger. C'est ça qu'il faut comprendre. Et souvent, on a trop vite ou trop tout ce genre de choses. Mais du coup, bon, ça dit c'est gentil, ça passe. Hein. À partir de là, ce moment, il a ce travail, cette position. Comment je fais pour me bouger? Si c'est ça tout de suite, on sent ça dévie. Ça arrive comme ça, c'est la même chose. C'est à Guido, on a l'habitude de travailler tout le temps un peu ce genre de choses. Un peu comme une danse, quoi, une chorégraphie. Donc, du coup, on s'entraîne, mais quelque part, donc, quand même, il faut faire attention, quoi. Sinon, on part vite dans quelque chose que l'on croit, mais en fait, que ce soit un Aikidoka ou que ce soit quelqu'un qui fait judo ou n'importe quoi, ou quelqu'un qui fait pas. Souvent les débutants, les anciens, ça vous gêne. On va dire, le débutant, il n'avance pas la jambe, ou toi, tout ainsi, etc. Parce que quelque part, on voit que ça ne marche pas et que c'est ce qui se passe, les débutants le contrôlent. Donc du coup, c'est pas normal. Donc à partir de là, quand même, il faut revoir les bases et puis se poser des questions. Bah, comment il fait? Déjà à la base, au sensei, Aikido, il a mis des fondations. Ça a été prouvé, ça fonctionne. Et maintenant, c'est à vous de travailler pour que ça fonctionne. Donc, à part, moi, il faut bien comprendre, bien étudier. Et vraiment, se partir sur les bonnes bases, bien comprendre comment on fait. Et pour ça, bah, à chaque fois, j'ai dit tous les ans, mais c'est, encore une fois, c'est le déplacement. Si vous faites ça correctement, déjà, c'est 50% de l'argent. Il faut étudier. À chaque fois, je dis toujours partout, mais à chaque fois, les gens ne le savent pas assez. Donc, quand même, il faut étudier. Ok, et on fait une petite pause. Et après, on reste le même endroit.
fait, c'est pas essayé. Ensuite, vous allez sentir l'équilibre, un peu plus d'équilibre. Et tout de suite, Oura, j'arrive. Oura et Oura, c'est exactement la même chose, il n'y a pas de différence. C'est juste ça c'est votre amour, votre garde. Si je bouge les hanches,
si vous pouvez faire ça, vous pouvez faire avec. Bon. On va essayer. Regardez-moi, mon poignet ne bouge pas. C'est pas ça. Il ne faut pas que ça bouge. Il ne faut pas bouger. C'est la même chose, une fois que c'est là, ça c'est pris, mais par contre la main elle est libre. Mais si je fais ça, tout de suite ça elle sent dessus. Donc vraiment léger, juste bouger aussi. Ce moment en particulier. Et du coup, elle est libre. Et elle sent pas ce genre de choses. Toujours parallèle au sol, tout le temps. Et à partir de ce mouvement, c'est là que vous pouvez bouger. Voilà. Et une fois que ça c'est créé, juste ce mouvement, après, il faut lâcher. Donc du coup, lui, il a tiré vers moi. Et du coup, ça ne monte plus. Si je monte, lui aussi, il monte. Le deux, c'est le deux. Quand on rentre, c'est son corps, il a déjà déséquilibré la main que j'avais. Ça, il faut faire après. Est-ce que ça va? Et on monte les bras, c'est la même chose. Vraiment, c'est que le déséquilibre qui change. Au début, on apprend comme ceci. Pour les débutants, il faut bien qu'ils voient la différence pour monter, devant, au bras, sur le côté. Derrière, c'est... mais après c'est lié, il n'y a plus de pauvreté ou un petit déséquilibre, soit ça va direct, soit ça va. Ok, on essaye. Allez, s'il vous plaît, essayez. C'est pas ça, c'est différent. Du coup, c'est lié. Aïe, aussi, c'est
déjà la même chose. Donc, on a vraiment le même mouvement. Là aussi, dans son corps, attention à ça. Vraiment, tout votre corps. Ok, on essaie? Allez, s'il vous plaît. Là, sur moi aussi, même chose. Vraiment, votre corps, c'est bien. Et après, bah, il faut pas essayer de se faire prendre. Tout en temps, tout en temps. Donc pour ça, il faut bien étudier. Un peu. Oui, s'il vous plaît.